Bonjour à tous, allez, un petit tour à Action de Cervon. Allez, on commence par une nouveauté dans le rayon bougie diffuseur avec ce diffuseur Funky Fruit citron frais, citrus fraîche. Il est à 2,95€, donc il y a trois modèles. Il y a celui-là, Tropical Banane. Et on en a un troisième, Fruit de la Passion, enfin fruit douceur exotique. Et en fait, en mettant la boîte, je me suis rendu compte que c'est pas Fruit de la Passion, c'est Fruit du Dragon. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit, alors il est très très joli, mais bon, il est plus joli que ça. Enfin, il est plus joli que bon, je vais dire ça comme ça. En fait, moi je trouve qu'il n'y a pas de goût particulier, mais en tout cas, il est très très joli. En général, vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces. Ils en ont dans leur rayon fruits exotiques. On a un retour de ces sprays. Alors vous pouvez aussi en trouver dans le rayon ménager. Il y a aussi un modèle. Ils sont à 2,65€. C'est des sprays d'intérieur 500 ml. Donc il y a celui-là. Vous avez celui-là aussi, Sunset Glow. Donc tournesol, je vois des tournesols. Et on a celui-là, Wild Poppy. On a un réassort de ces tablettes parfumées. Donc, il y avait un petit moment que j'en avais pas vu. Il y a plusieurs senteurs. C'est ce que je vous disais, des fois il y a un produit qu'on va plus voir en rayon pendant quelques semaines, quelques mois, puis après bah, ça revient. Et donc ça, c'est pour mettre dans ces brûleurs de parfum, d'ailleurs nouvelle couleur. Alors pareil, les brûleurs de parfum, ils en ont assez régulièrement, et en fait à chaque fois ça va changer de motif ou de couleur. 1,79€, donc vous mettez ici une bougie chauffe-plat, votre petite tablette là, et puis ça brûle et ça diffuse un parfum. Il y a deux couleurs, il y a aussi du vert clair comme ça. Non, ces bougies ne sont pas une nouveauté, sauf cette couleur. 1,79€ cette bougie. Donc ça c'est une nouvelle couleur. Au niveau des verts, on a celle-ci. On a la rose aussi qui est très jolie, moi qui suis beaucoup dans le rose. Alors celle-ci, on les a en plusieurs tailles. On a la petite et on a la beaucoup plus grande. Une nouveauté aussi dans les loisirs créatifs. Donc c'est ce petit pot, on dirait un petit pot à épices. Donc c'est un pot en verre à 74 centimes. Alors il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a celui-là argenté, il y a celui-là, enfin celle-là, cette couleur. Bon, il y a plein de couleurs, il y a du bleu, je ne vais pas toutes les sortir, il y a du rose, du gris, du violet. Encore une nouveauté, c'est pompons métallisés, donc il y a 8 pièces à 79 centimes. Il y a aussi cette couleur. Et cette couleur. Encore une nouveauté avec cet album à colorier adulte. Alors le petit plus, c'est qu'il y a des citations. Bon, en anglais malheureusement, mais il y a des citations. Et le petit plus, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est que la couverture est rigide. Hein, et il est très joli comme carnet. On a un deuxième modèle, c'est celui-là. Alors faire du coloriage quand on est adulte, ça a des vertus apaisantes. Ça, c'est vrai que pour colorier, faut être vraiment concentré dans ce qu'on fait. Donc quand on est concentré sur une chose, ben, on balaye toutes les autres. Et ça peut être aussi une bonne thérapie. Hein. Donc à essayer hein, le coloriage pour adultes. On a des nouveaux blocs d'autocollants aussi. 79 centimes. On a quasiment presque les mêmes. J'en profite pour faire un gros bisou à toutes les passionnées de loisirs créatifs hein, et les scrapbookeuses, je ne sais jamais comment on dit, donc celles qui font du scrap. On a un arrivage aussi d'autocollants perles. Alors ça c'est bien, même si vous ne faites pas du scrap, mais par exemple pour décorer les bougies,
pour personnaliser les bougies, c'est plutôt sympa. On a plein d'autres couleurs, on a rose, blanc, on a du violet, on a aussi celle-ci argentée dorée. C'est 64 centimes le paquet. La nouveauté dans les gobelets en carton, les gobelets colorés, c'est 20 gobelets de 35 centilitres à 89 centimes. Une nouveauté aussi, c'est les bols en carton, bac ou bol en carton. C'est des bols de 500 millilitres. Il y en a 10 à 72 centimes. Alors, nouveauté ou pas nouveauté? Les actions addicts diront non, puisque c'est un produit qu'on a déjà vu dans les rayons. Mais c'est un produit qui revient et qui ne va pas rester longtemps d'ailleurs. Et ça faisait un petit moment que j'en avais pas vu. C'est des bacs, enfin des bacs, des sachets cuisson. Donc on peut cuire tout, hein, des légumes, poulet, poisson, ce qu'on veut. Donc c'est résistant jusqu'à 200 degrés, hein, donc faites attention quand même. Et donc on peut mettre à l'intérieur plein d'herbes aromatiques, des légumes, mettre son poulet et le passer au four. Donc il y en a 10 de 2,5 litres. On trouve ce genre de sachet aussi en grande surface. Et en grande surface, en fait, dedans, vous avez déjà tout ce qui est épices et tout. Mais c'est vraiment pas difficile. Hein. Il suffit d'acheter des épices, les épices que vous voulez. Vous les ajoutez, vous mettez un petit peu d'eau, vous secouez et ça sera le même résultat. 99 centimes ici. Alors, de la nouveauté aussi dans les assiettes, on a ce bol Masterchef. Hein. Vous avez dû voir... pendant toute la semaine, il y a eu des arrivages Masterchef. On a eu des casseroles, des poêles, des couteaux, etc. Là, on a le bol. Vous voyez que c'est relief comme ça. Donc, au niveau des couleurs, il y a gris. Et cette couleur que je dirais sablée. Donc, le saladier est à 4,99€. Donc, c'est en porcelaine. Donc, dans la même gamme, on a les grandes assiettes qui font 27 cm de diamètre. Donc, c'est les deux couleurs que je vois. Hein. Je pense qu'il n'y aura que du gris et du couleur sablée pour le moment. Donc la grande assiette est à 2,99€. On a les petites assiettes, dessert ou entrée à 2,56€. C'est 20 cm de diamètre. On a le petit plat comme ça, 17 cm, qui est à 2,44€. Alors là-dedans, on peut servir une petite entrée, on peut servir une petite soupe. Voilà, 2,44€. Et pour compléter le service, on a l'assiette creuse qui fait 22 cm de diamètre à 2,82€. Voilà ce que ça donne de cette couleur. Une nouveauté dans les housses de coussin, avec cette housse de coussin avec des motifs. Donc on a cette couleur, on a du gris. Donc c'est des motifs d'un côté, hein, de l'autre côté c'est simple. Hein. Donc c'est du velours. Hein. Et elle est à 2,59€. Donc elle fait 45 par 45. Donc je regarde, il y a, moi je trouve trois couleurs. Donc le gris, celui-là et celle-là. C'est vraiment une très très jolie couleur. Alors je sais plus ce que c'est comme bleu ou vert. Alors c'est pas faute d'avoir essayé hein, parce que c'est pas la première fois que je vous la montre et à chaque fois en commentaire vous me dites tiens Nana c'est telle couleur, mais malheureusement je retiens hors caméra, mais dès que je suis devant ma caméra je ne sais plus. Donc voilà, moi je trouve ces trois couleurs là, oh, bah, des fois il suffit de regarder. Donc enfin, la housse existe aussi en blanc et la fermeture se fait par fermeture comme ça éclair. Donc c'est du 45 par 45. Oh, une jolie nouveauté dans le rayon des filles avec ses sandales, avec ses sequins bien brillants. Donc il y a du blanc, il y a de l'argenté et il y a celle-ci aussi. Mais franchement, petit coup de cœur pour les blanches là, elles sont vraiment très jolies. Et on a celle-ci, elles sont à 3,59€. Alors au niveau des tailles, je vois du 30, 31, 32, 33. Je pense qu'il n'y aura pas assez. Ça, ça sera trop grand pour ma fille. Donc, je vois du 34, 35. Ah, si. Enfin, non. Je pense que ça va aller du 28 jusqu'au 35, du coup. Donc, celle-ci, c'est du 28, 29. Elles sont trop mignonnes.
Bon, d'un côté, heureusement qu'il n'y a pas sa taille, parce que je ne saurais pas choisir entre celle-ci et celle-ci. Tiens, nouvelle pince comme ça, avec des petites perles. Alors, la semaine, on a eu plein d'arrivages au niveau cheveux, pinces, etc. Boucles d'oreilles, colliers, bracelets. Et donc, celui-là, je ne vous l'avais pas montré. C'est 1,59€. J'ai dû vous montrer celui-là. Vous voyez, hein, des fois, ce que je vous expliquais des fois, je vous dis ça, c'est une nouveauté. Et puis, je suis sûre, vous dites, bah non, ça, on l'a déjà vu. Non. Et des fois, c'est des choses qui se ressemblent. Et je vous disais ça, vraiment, pour un mariage, etc. C'est vraiment, ça peut être vraiment sympa. C'est 1,59€. Et je vous ai montré aussi déjà celui-là. Tiens, les nouvelles lingettes Pampers Natural Clean. Il y en a 64, elles sont à 1,29€. Encore une nouveauté, c'est un dentifrice à l'aloe vera. Il est à 1,69€. Petit code barre. Alors des fois j'y pense pas forcément, mais quand j'y pense, je vous le montre le code barre. Alors l'aloe vera, c'est c'est une plante qui est vraiment très très bonne pour les gencives. J'avais vu moi plusieurs, j'avais lu des articles et vu aussi sur internet des vidéos. Et vraiment pour la gencive apparemment c'est un très très bon produit. Alors j'utilise de temps en temps moi la feuille d'aloe vera. Et je l'utilise pour la peau, pour les cheveux. Mais alors voilà, moi ça va être, alors un coup je vais l'utiliser, puis un coup pendant 2-3 semaines, un mois, je vais la mettre de côté. Mais vraiment c'est une plante qui a beaucoup de vertus. On l'utilise telle qu'elle, on peut aussi la consommer, attention, pas la consommer comme ça, enfin moi je la consomme pas comme ça. Hein. Et c'est très très bien aussi contre les brûlures. Donc c'est 1,69€ le tube. Donc là, on nous dit que c'est idéal pour les gencives. Et on en a un deuxième, cette fois-ci, à la noix de coco, arôme coco. Et celui-là, on nous dit que ça aide à optimiser l'hygiène buccale et à la maintenir. Allez, on finit cette vidéo. Alors, je suis contente parce que j'ai eu, on peut dire, 100% de nouveautés en comptant les produits qui sont revenus, hein, comme le sachet pour le poulet, etc. Donc, je suis contente de ma vidéo. Comme ça, je pourrais mettre que c'est des nouveautés. Et on finit par ça, qui n'est pas une nouveauté, qu'on trouve assez régulièrement en rayon. C'est les Lotus, donc c'est des paquets de 2 à chaque fois, donc il y a 20 paquets de 2. Alors ceux-là, plutôt à emporter, hein, pas pour faire des tiramisu. Je pense que pour les tiramisu, ça va être plus avantageux d'acheter les paquets pas emballés individuellement. Là, c'est 1,99€. Voilà, bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, je vous dis à tout à l'heure.